Je suis maman. Je suis maman adoptante. Souvent, quand je me présente, je précise le fait que j'ai adopté. Est-ce que c'est pour éviter une éventuelle surprise ou un quelconque malaise? Pour préciser mon statut maternel? Toujours est-il que mes deux fils ont les plus beaux yeux bridés de la planète. Je suis pas du tout objective et je l'assume. Dès mon adolescence, j'ai su que je voulais adopter. La fameuse horloge biologique a jamais sonné chez moi, mais mon désir de maternité demeurait. Après avoir trouvé mon compagnon de route, on a discuté de notre désir d'enfant. Même si c'était difficile à comprendre au début pour mon mari, il a accepté l'adoption comme projet pour former notre famille. Après un très long processus qui a duré 7 ans, on a enfin reçu l'appel qu'on attendait. Il y avait un petit garçon à l'autre bout de la planète avec qui nous étions jumelés pour le reste de nos vies. Dès la seconde où j'ai vu sa petite bouille en photo, j'ai su que c'était mon fils. Quelle situation étrange que de tomber en amour avec une photo! Des mois plus tard, il était assis sur mes genoux dans un taxi à me vomir dessus. Ça a été une énorme adaptation de vie que d'arrêter de travailler pour rester à la maison avec un enfant de 18 mois. Le choc! Une transition à laquelle j'étais pas préparée. 11 mois après l'arrivée de notre petit anxieux, le téléphone sonnait pour nous demander si on était prêt à agrandir notre famille. La demande arrivait plus vite que prévu, mais on a à nouveau sauté à pieds joints dans l'aventure. 8 mois plus tard, on avait une proposition. Cette fois, tout allait vite, peut-être trop vite. Quand j'ai vu les photos, j'ai pas eu de réaction. Il n'y avait pas le coup de foudre. Je ne sentais pas que cet enfant-là m'était destiné. J'ai regardé les photos pendant des heures et je me sentais tellement triste et coupable de rien ressentir. Après un appel à la psy, c'est la dame de l'agence d'adoption qui a nommé un tabou. C'était parfois normal de rien ressentir pour différentes raisons. Peut-être que les courts délais y étaient pour quelque chose. Quelques semaines après notre retour avec cette boule d'énergie, le coup de foudre est finalement arrivé en dansant sur du Justin Timberlake dans la cuisine. Mon fils a dû le ressentir aussi parce que, à partir de là, il est devenu très fils à maman et il l'est encore. Les garçons ont grandi et différents besoins sont apparus. Avec nos fils, on a découvert le monde des spécialistes, ergothérapeutes, travailleuses sociales, nutritionnistes, éducatrices spécialisées, neuropsy, psychoéducatrices, orthopédagogues. Nos deux garçons neurodivergents demandent beaucoup d'énergie et d'attention. Entre la vie de famille, les besoins de nos fils, les très grosses et fréquentes colères, le travail, j'avais pas une minute à moi. Je comblais les besoins des enfants, mais j'avais aucun plaisir dans mon rôle de maman. J'ai fait une genre de dépression, épuisement parental. Heureusement, le monde des spécialistes est rempli de personnes empathiques, sans jugement, toujours pleines de ressources, attentives à nos réalités et à nos besoins familiaux. Grâce à elles, parce qu'on a toujours eu des femmes, notre famille est davantage équipée. Merci à tous ces intervenants et ces intervenantes qui prennent soin de près ou de loin de nos familles. Depuis une décennie, j'ai beaucoup appris et la courbe d'apprentissage a été raide. La maternité est épanouissante, mais ô combien exigeante. Avec l'adoption, on en ajoute une couche. L'autre jour, un de mes gars a fait un mauvais coup. Je lui ai dit que je savais ce qu'il avait fait. « Comment tu sais, maman? » Mon amour, je t'ai pas porté dans mon ventre, mais je suis ta maman et une maman, ça sait beaucoup de choses, mon petit danseur préféré. »